Moi, du coup, l'informatique, c'est pas du tout une vocation, c'est plutôt une série d'accidents qui ont fait que bah, aujourd'hui, je suis là et c'est plutôt cool ma vie. J'ai fait 3 ans de médecine, j'ai un an de droit, j'ai 3 ans de statistiques financières, machin là. Bac à 15 ans parce que j'avais sauté beaucoup de classes, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis entre fac de droit, fac de médecine et informatique. Et j'ai perdu 100 ans et j'aime pas écrire. J'ai toujours joué aux jeux vidéo quand même. Donc j'ai toujours été sur ordinateur. Mais je savais vraiment qu'il y avait un monde entre jouer et coder, que c'était deux choses différentes. Je pense que pour aimer coder, il faut aimer réfléchir, il faut aimer trouver des solutions, résoudre des problèmes. Ça, je l'ai toujours eu. Et ce qui est bien avec l'informatique, c'est que pour apprendre, il faut faire. On ne peut pas apprendre à coder sur papier. On ne peut pas apprendre à coder en restant assis sur sa chaise, en se taisant, en écoutant un prof. Faut vraiment pas croire que coder, c'est un métier qu'on fait tout seul dans son coin. C'est vraiment un métier d'équipe, de communication, de travailler ensemble, de se comprendre les uns les autres. Que ce soit comprendre le codeur avec qui on est en train de travailler ou comprendre le client pour qui on fait quelque chose ou l'utilisateur pour qui on fait quelque chose. Apprenez pas à coder si vous voulez être tout seul toute la journée, il faut plutôt mieux faire jardinier ou un truc comme ça dans ce cas-là.